Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer l'intégrale de sinus exposant 5 de x dx. Eh bien, on commence tout d'abord par décomposer sinus exposant 5 de x en sinus exposant 4 de x fois sinus x, voyez. Là, les puissances 4 plus 1 égale 5. Et donc, sinus exposant 4 de x, ensuite, on peut l'écrire comme si c'est sinus carré de x, le tout au carré, fois sinus x de x, voyez. Et ensuite, sinus carré de x ici, en bleu, vous voyez, on va le remplacer. On va utiliser la relation pythagorienne hein, que vous connaissez. Sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1. Donc si on isole sinus carré de x, on obtient 1 moins cos carré de x. Eh bien, on va remplacer sinus carré de x ici par 1 moins cos carré de x. Et ça donne ça. Donc ça fait intégrale de 1 moins cos carré de x, le tout carré fois sinus x dx. Arrivé ici, eh bien, on va appliquer un changement de variable. Vous voyez, si on pose u égale cosinus x, eh bien, du vaut moins sinus x dx. Vous voyez, on va retrouver cette expression, vous voyez, quand on fait du. C'est pour ça qu'on pose u égale cosinus x. Alors ici, moi, je vous conseille toujours d'isoler le dx. Donc, dx est égal à du sur moins sinus x. Vous voyez, le moins sinus x, je le glisse en sous le du. Donc, j'isole toujours le dx. Et ensuite, je remplace donc cosinus x donc par u. Et ça me fait donc 1 moins u au carré, le tout au carré. Sinus x, lui, ne bouge pas, vous voyez. Et dx, regardez, là, je l'ai isolé, ça vaut du sur moins sinus x. Donc, j'écris du sur moins sinus x. Et là, on remarque quoi? Eh bien, on remarque qu'on peut simplifier par sinus x. Donc, on simplifie par sinus x. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Regardez. Ben, il y a le moins, je le sors ici. Intégrale de 1 moins u au carré, le tout au carré, fois du. Voyez. Et donc, ça nous donne moins intégrale de, là, je développe avec mon identité remarquable, hein, a moins b, le tout au carré. J'utilise l'identité remarquable, tout simplement. Et ça me donne intégrale de 1 moins 2u au carré, plus u exposant 4, du. Et donc, regardez, une primitive, donc là, le moins, je l'ai là. Une primitive de 1, ben c'est u. Une primitive de u au carré, hein, je vous rappelle la formule, hein, une primitive de u puissance n, c'est u puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Et donc, une primitive de u au carré, c'est u au cube sur 3, donc on a moins 2 tiers de fois u au cube. Et une primitive de u exposant 4, eh bien, c'est u exposant 5 sur 5. Et voilà, maintenant, pour finaliser donc notre calcul, regardez, le u, il faut revenir à notre intégrale en x. Donc le u, je le remplace par cosinus x, tout simplement. Mais je fais attention de distribuer le moins dans toute la parenthèse, hein, attention. Donc j'aurai moins cosinus x plus 2 tiers de cos cube de x moins 1 cinquième, vous voyez, moins fois plus, ça fait moins, moins 1 cinquième, cosinus exposant 5 de x, plus une constante qu'on n'oublie pas, qui appartient à l'ensemble des réels. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail, une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Hein, vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.